ça a commencé depuis les demi, où quand on perd contre Basketland chez nous, ça nous a mis un coup derrière la tête. Et avec les filles, on s'est remobilisé en se disant qu'on ne pouvait pas perdre, on ne pouvait pas ne pas aller en finale. Donc après, on a eu un groupe vraiment solidaire et on a continué sur notre lancée, Bourges à domicile, où on maîtrise le match. C'est vrai que ça a été un peu compliqué pour nous. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est vrai que voilà, nous-mêmes, on s'est dit, mais on ne se reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe? On avait un petit peu un manque de confiance. Après, on vient ici, on sait que ça va être compliqué. On perd de 2 points alors qu'on aurait dû gagner ce match tous les jours. Sur le deuxième match, Tolo nous a un petit peu fait mal. J'avais dit aux filles de se sacrifier sur Céline tout terrain parce que je voulais la fatiguer un maximum. Je voulais pas qu'elle prenne les derniers shoots. Vendredi, ça m'a coûté la victoire. Cette erreur-là m'a hanté presque toute la nuit. Ce que j'ai fait là, ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, si je n'avais pas fait ça, peut-être on aurait gagné vendredi. Donc je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit, Géraldine, dimanche, ce serait un autre match et aujourd'hui, c'était un autre match. On s'est dit que voilà, là, on avait fait quasiment le plus dur parce que voilà, elles avaient eu la confiance, elles avaient gagné chez elles. Et bon, malgré tout, on était revenus et on avait réussi à accrocher cette deuxième manche et à se donner une dernière chance pour pouvoir avoir le titre. Je pense qu'au contraire, elles ne nous ont pas mis dans le trou, mais elles nous ont prouvé qu'on pouvait les battre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a fait un gros match. J'ai vu cette lumière dans leurs yeux. Elles avaient encore la rage. Je l'ai vu hier à l'entraînement. Elles ne sont pas venues à l'entraînement dépitées. Elles sont venues à l'entraînement pour travailler. Certes, fatiguées, mais elles sont venues pour travailler. Et dans leurs yeux, il y avait encore cette étincelle. Et j'ai vu tout de suite qu'il y avait encore du gaz. Donc j'y ai cru à mort. Et puis j'ai essayé de leur transférer ce message, mais je pense qu'il n'y avait même pas besoin parce qu'elles y croyaient elles-mêmes. Je leur ai dit qu'il était hors de question qu'il fallait baisser la tête, okay, et que c'était pas fini. Parce qu'on pouvait le faire et que je savais que vendredi ça allait être difficile, mais que dimanche ça allait être pour nous. Je savais. Pour l'instant, j'arrive pas trop à réaliser, je pense. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis à Montpellier et que le club essaye de se structurer année après année pour essayer d'arriver là. C'était un peu extraordinaire de venir gagner à Bourges. Si on nous avait dit ça en début de saison, je pense qu'on ne l'aurait pas forcément cru. On a eu une période de doute un peu avant les playoffs, donc ça a été difficile, mais ça nous a servi pour aujourd'hui, je pense. C'est dommage qu'à la fin, on s'affole un petit peu. On perd, on pourra prendre à 3 points, du coup, on s'affole. On perd un ballon, on prend 2 plus 1, on fait 2 plus 1 à la fin du match. Ça peut nous coûter cher. Et comme on avait pris un petit peu d'avance, on était, on n'a pas craqué. Et c'est pas facile contre Bourges parce qu'on sait qu'elles sont jamais mortes. On l'a encore vu ce soir, même à moins 16, elles essayent toujours de revenir. C'est qu'une marche. Bourges, c'est quand même l'ogre du basket français. Et on a réussi à rivaliser avec eux une année. Ça serait bien que voilà, ça se perpétue dans les années à venir. Allez, pour finir le match pour Montpellier, Gaël Strella qui marque le premier. Et quel quatrième carton a de Gaël Strella? Joli dans la perception de Gaël.